La technique à laquelle je vais te donner dans ce jeu-là, c'est une technique qui marche à 100% si tu suis vraiment bien toutes les instructions que je vais te donner dans la vidéo. Mais attention, il ne faudra pas miser n'importe comment, sinon tu risques de tout perdre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le jeu crash, ça peut faire gagner énormément d'argent en seulement quelques minutes. Mais attention, ça peut faire aussi ruiner en quelques secondes. Donc, suivez attentivement tout ce que je vais montrer dans cette vidéo pour ne pas vous faire avoir par le jeu. Et de grâce, quand vous allez jouer une fois et que vous allez gagner, s'il vous plaît, barrez-vous de la vitesse, car c'est très très important au pari sportif. Ok, donc bien avant de montrer la faille en question, si tu es nouveau ici, pense à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et je vais te mettre aussi mon code promo 24AB dans la description de la vidéo. Ce code promo-là va vraiment te permettre de gagner énormément d'argent. Donc pour ceux qui vont commencer avec, par exemple, un capital de 10 000 ou un capital de 5 000 allant jusqu'à 20 000 comme ça. Ce que je vous conseille, ne commencez pas avec une mise de 1 000 francs ou bien 2 000 francs. Donc, allez doucement car la méthode que je vais vous montrer ici, ça va marcher à 100%, mais il faudra suivre les instructions. Ok, donc nous allons aller de base que tu vas commencer avec 5 000 francs. Donc, quand tu vas commencer avec 5 000 francs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste placer ta mise initiale ici. Mais ce qui est le plus intéressant aussi, tu peux tout automatiser. Donc, tu vas venir dans Paris Auto. Je vais te dire l'heure à laquelle il faut mettre ce pari là. Donc ici actuellement il est 16h33, donc je vais te dire pourquoi est-ce que j'ai choisi cet horaire là pour pouvoir faire cela. Donc ici je vais tout simplement placer la mise de base. Donc on part du principe que tu commences avec disons 5 000 francs ou 10 000 francs. Donc ce que tu vas faire, donc je vais directement placer 200 francs. Ça c'est justement pour te montrer un peu comment ça se passe si tu es débutant. Donc ici le montant maximal, donc ici le montant maximal, donc ici c'est pas très important, tu peux mettre à 50 000 francs. Ce montant là n'est pas très important comme ça. Donc ici c'est là où tout va se passer, cote. Donc saisissez la cote à laquelle vous voulez retirer votre pari. Donc ici ce que tu vas faire, tu vas juste venir ici et tu vas choisir la cote de 5, ok. Tu vas choisir code 5. Est-ce que tu as bien compris? Une fois que tu as choisi code 5, ce que tu vas faire ici, le côté vert, si vous gagnez, retour à la mise de base. Et ici, si vous perdez, retour à la mise de base. Ici, tu vas venir cliquer sur doubler votre mise. Ça, je pars du principe que tu commences avec 5 000 à 10 000 allant jusqu'à 20 000 francs. Donc ici tout est ok. Donc tu vois ici pari de base c'est 200 francs, montant maximal ça c'est pas très important. Ici j'ai mis 50 000 francs et ici j'ai mis 50 000 francs ici. Donc ici encaissement auto, j'ai mis cote 5. Donc je vais retourner à la mise de départ si je gagne, et une fois que je perds, je vais juste automatiquement doubler ma mise. Donc ici nous allons attendre le prochain. D'abord nous allons attendre que ce pari là soit, nous allons voir à quelle cote ça va aller, et ensuite nous allons placer notre pari. Ok, ici l'avantage c'est de perdre une fois, deux fois, troisième fois, et puis nous allons essayer de gagner. Donc ici je vais directement placer mon pari. Ok, le pari auto a été placé avec succès. Donc je vais vous montrer que faire si vous gagnez, et ensuite à l'heure à laquelle il faut placer. Ok, donc ici notre cote de d'encaissement c'est le cote 5, donc on va juste patienter. Ici l'idée c'est de perdre deux fois, trois fois, mais je viens d'atteindre la cote 5 et les gains viennent d'être récupérés en automatique. Ok, ça c'est pas ce que je voulais. Je voulais perdre une fois, deux fois et ensuite récupérer énormément. Donc vous voyez que ici j'ai déjà eu code 5. Donc ici nous avons encaissé seulement 200 francs fois 5. Donc ici je vais pas annuler le pari auto, je vais continuer. Ok, donc on a déjà gagné une fois. Donc ici l'idée c'est de perdre au moins 4 fois comme ça maximum. Quand tu gagnes 4 fois et que tu gagnes un gros coup, tu vas voir que tu vas tout rattraper, tu vas faire un gros coup. Donc ici je viens de perdre une fois, donc ça a été doublé sans problème. Donc au lieu de 200 francs maintenant c'est à 400 francs. Donc regarde bien, à la fin de la vidéo je te dirai l'heure à laquelle il faut placer cette mise là. Ok, donc ici ça fait deux fois et ça va doubler automatiquement la mise. Ok, donc la mise a été doublée avec succès. Donc c'est notre troisième fois, et ici on va regarder encore. Si tu pars, si tu commences avec un petit capital, commence avec une petite somme. Donc ici je viens de perdre encore.
Ok, on va juste patienter. Quand ça va rentrer une fois, ça va tout rattraper. Donc ici, l'idée générale même, l'idée, ce qui est le plus cool, c'est de commencer au moins avec 10 000 francs, 15 000 francs. Là, comme ça, tu vas voir que avant que ces 15 000 francs-là ne finissent dans ton compte, tu vas te faire énormément de gains. Donc ici, je viens de perdre une quatrième fois. Donc c'est relancé pour une cinquième fois. Ok. Quand je vais gagner, je vais tout rattraper et je vais faire énormément de bénéfices. Donc ça fait 5 fois. Ok, donc on va juste patienter. Et ce qui est le plus, ce qui fait peur aux gens aussi, quand vous perdez que ça double, quand vous perdez que ça double, ça fait énormément peur. Donc on va juste patienter et on va attendre la cote de 5. Donc une fois que nous allons gagner cote 5, une fois, voilà, ici directement on va annuler le pari auto. Ok, donc ici on a déjà eu cote 5. Donc ce qu'on a perdu, ce qu'on a perdu, on a tout rattrapé et puis on a fait énormément de gains. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour pouvoir jouer à ces jeux-là, laissez quand il y a au moins ça 30 minutes avant la prochaine heure, c'est-à-dire si les 16h, vous laissez jusqu'à 16h30 avant de commencer à jouer. Si les 17h, vous laissez jusqu'à 17h30 avant de commencer à jouer. Si les 18h, vous laissez jusqu'à 18h30. Ok, c'est comme ça que ça marche avec ce jeu-là. J'espère que ça va beaucoup t'aider. Si c'est le cas, lâche-moi un like. Ok, partage la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et à ciao pour une toute nouvelle vidéo.